Comment utiliser la technologie mobile pour les enquêtes terrain en matière de planification familiale? La question est au centre d'une rencontre ce 24 juillet à l'université Joseph Kiserbo de Ouagadougou. Une rencontre en visioconférence qui a réuni les acteurs de la santé, mais aussi les spécialistes de la planification familiale. Explication avec Maxime Zongo. Dans le but de contribuer au succès des programmes de planification familiale au Burkina, l'Institut supérieur des sciences de la population a initié une plateforme de recherche. Une innovation basée sur l'utilisation de la technologie mobile et cette visioconférence pour disséminer les résultats des différentes enquêtes sur le terrain. Nous, au terme d'une phase d'enquête que nous avons menée, donc de décembre 2019 à février 2020, et nous sommes en mesure aujourd'hui de partager les résultats auxquels nous sommes parvenus. La plateforme au centre de la visioconférence a permis d'enquêter sur les ménages et les femmes en âge de procréer. Des résultats destinés à mieux orienter les décideurs. Nous avons régulièrement des données de routine qui remontent par le système de santé, mais aussi de façon périodique, il y a des enquêtes qui sont menées, mais cette régularité n'est pas souvent respectée. Donc cette plateforme qui nous a permis de pouvoir faire une photographie sur une période accompagne le processus et nous permet d'avoir une meilleure orientation sur la réalité des indicateurs que nous avons sur le terrain. Au cours de cet atelier virtuel, ce sont plus de 200 personnes connectées à travers le monde qui ont pu suivre la présentation faite par des spécialistes. Toute chose qui leur permettra d'inspirer des bonnes pratiques du Burkina.